Bonjour et bienvenue sur l'argus.fr. Alors aujourd'hui nous allons vous expliquer comment monter des chaussettes à neige. Mais avant de les monter, il faut les acheter. Et pour cela, il vous faut une information primordiale. C'est la dimension de mes pneumatiques. Et ici, c'est du 225, 55 et R18. Et nous retrouvons la bonne dimension de nos pneus. Alors les chaussettes sont en principe plus simples à mettre que les chaînes. Mais dans la réalité, c'est pas toujours le cas. Parce qu'il faut un petit peu de force pour les enfiler. Il faut d'abord enfiler une première moitié derrière. Après avoir enfilé la partie haute de la chaussette, il faut faire un demi-tour de roue pour pouvoir mettre l'autre partie. Donc après avoir fait notre demi-tour de roue, il faut habiller le haut du pneu. Donc pour ceci, ramener la chaussette vers le haut. Alors, c'est bien ce que je disais, hein. En théorie c'est facile, dans la pratique ça l'est un peu moins. Voilà. Alors ensuite, quand elle est positionnée comme ça, il faut faire à peu près une cinquantaine de mètres pour s'assurer qu'elle est bien centrée et qu'elle ne bouge pas. Donc après avoir effectué quelques mètres, il faut s'assurer que la chaussette est bien centrée. Donc ici c'est le cas, parce qu'elle recouvre bien le flanc du pneu. Alors deux dernières recommandations, ne jamais dépasser les 50 km/h et éviter au maximum de rouler sur le bitume pour éviter de les abîmer. A bientôt sur l'argus.fr. Il faut toujours équiper les roues motrices, mais gardez à l'esprit que votre auto sera déséquilibrée comme vous pouvez le constater.